Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas vue, mais voilà. Non, je ne me montre pas tout le temps, c'est en fonction de moi, si ça va, niveau moral ou pas, ou... Bah, des fois, j'ai pas envie de m'apprêter, des fois, j'ai pas envie, tout simplement. Je fais comme je veux, c'est tout. Bon, on est de sortie, que tous les deux. J'ai ma sœur qui est venue pour garder les enfants. Et on va aller voir les salons marocains. Oui. Comme vous le savez, j'ai vendu mon grand canapé, le gris. Je l'ai vendu. Bah, le dernier jour de l'année 2021, ouais, je l'ai vendu le 31. Voilà, c'était un vendredi, je me souviens encore. Et depuis, bah, je suis restée sans canapé, je dirais presque sans salon. Voilà, heureusement que j'avais, voilà, j'ai pour dépanner. Bah, depuis, ça fait 4 mois quand même, c'est énorme. Les matelas, vous savez qu'on met sur les sites d'Elle, sur les salons marocains. Voilà, et là j'ai un peu avec l'arrivée du Eid et tout. Alors on va aller faire un tour dans un grand magasin qui s'appelle Griche Bond, qu'on connaît super bien parce qu'on avait pris notre premier salon, le noir et gris, qui est chez ma maman maintenant. On l'avait pris là-bas et mon mari a travaillé pendant des années dans ce salon marocain. Voilà, et que ben, lui c'est son travail, hein. C'est sa passion. C'était... Malheureusement, avec les problèmes de santé, alhamdoulilah. Bien entendu, ben, on ne change pas, alors on va toujours chez le même. Je l'ai mis derrière. Voilà, et je vais vous montrer ce qui se fait de nouveau. Je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà la table, une petite table. Et j'ai déjà des choses en fait. Voilà, parce que mon mari travaillait dans ça. Comme je vous ai dit, c'est son métier de base. Et on va voir, en même temps il y a les nouveautés. Voilà, ça se peut que je vais craquer, ça se peut qu'on va craquer, on va voir. Voilà, et puis on a cassé la tirelire, on a cassé deux tirelires, je vous jure, hier soir, non même pas, ce matin très tôt, à 2h et quelques, voilà. Vous savez, quand on a quelque chose en tête, on a la yalette, nous les femmes, quand on a quelque chose en tête, c'est bon, c'est parti. Voilà, et si la nana, allez, tu le vois-tu, allez, s'il te plaît, j'en ai marre, moi aussi, je pense comme une malade, nanana, assez, ben, j'ai le droit. Voilà, on a cassé deux tirelires, yak. Alors, franchement, si je vous montre, c'est uniquement parce que c'est pour vous motiver à le faire. Au début, c'est parti comme ça, c'est parti de rien du tout, ça commence toujours de rien du tout. On commence toujours petit à petit. On n'a pas mis 1 million de côté, hein. Mais Inch'Allah, je suis très contente de ce qu'on a pu mettre de côté. Voilà, en presque 1 an. Et ben franchement, et encore, franchement, je vous dis la vérité. Bon là, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, maman, c'est lui. Ben, c'est ça en fait. C'est pas moi, c'est lui. À chaque fois qu'il... En même temps, moi, j'ai jamais de monnaie. Voilà, l'excuse. À chaque fois qu'il a de la monnaie, à chaque fois voilà, qu'il revient des courses, il a acheté du pain ou ci ou ça, et bien à chaque fois il mettait, et des fois il le faisait exprès, il faisait un retrait pour pouvoir mettre dans les tirelires. Parce qu'on en avait deux, voilà, on en avait, c'est fini, on a ouvert. Elles sont là, voilà, c'est là, ouais. Je vous dis, il y a des billets parce que c'est de lui-même en fait, il faisait exprès, et aussi sur le budget course, voilà. Il enlevait, il disait, ben ce mois-ci on se sert un petit peu, voilà, on enlève un petit billet, 2 billets, et voilà, des fois, il y a des mois, rien, même pas 1 centime, mais il y a des mois, voilà, ça dépend. Et ben c'est comme ça qu'on fait les choses, et c'est comme ça qu'on avance, et franchement, je vous incite à le faire, que ça soit pour vous aider dans vos vacances, pour une voiture, ben, c'est un petit apport. Et ça peut être même un grand apport. Après, les gens, franchement, il y en a qui ne touchent pas pendant des mois et des mois, des années. Vous vous mettez en fonction de vos revenus, en fonction de ce que vous touchez aussi, et comment vous pouvez, c'est tout. Petit à petit, qui fait ce qu'on dit, nous La goutte par goutte se forme un wed. Comment on dit? C'est quoi le wed? Lac. Non, c'est pas un lac,
c'est l'ouac, sinon lac, oui. Ouais, lac. Ouais, bah goutte par goutte. Voilà, ah, mais attention, pas des centimes s'il vous plaît. Hein. Centimes, deux centimes, non, allez, 1 euro, 2 euros, petit à petit comme ça, à chaque fois qu'il y a un truc. Ah, la route, elle est barrée. Et et petit à petit, voilà, voilà. Et je vais vous dire le montant. Ta, ta, ta. On était presque à 300 euros, machin. Et je vous dis, et franchement, ça fait un moment qu'on a rien mis en plus. Et il est resté 1,70€ pour atteindre les 300 euros. Voilà, et ben, puisqu'on peut payer en plusieurs fois. Oui, je vous disais, vous pouvez payer en plusieurs fois, voilà, et c'est bien sûr sans frais. Hein. Voilà. Bon, on se retrouve de la bonne chambre. Bon, on vient d'arriver, voilà le magasin, il s'appelle Grishband. Je sais pas si vous voyez, hop là. Grishband, le spécialiste du salon oriental. Voilà le numéro de téléphone, il est dans le 69 à Vaux-en-Velin. Il est pas loin de Best Price. Voilà, et regardez, il est collé avec Securitest. Voilà, et là aussi un garage. Je vous mets les coordonnées en barre de description. Voilà, vous l'avez juste à mettre sur votre GPS. Puis franchement, il vous emmène pile poil. C'est ce qu'on a fait. On va rentrer. Bien sûr, vous avez plusieurs modèles, dont du blanc, gris et doré. Alors maintenant, vraiment, les couleurs se mélangent. Avant, on partait juste sur du doré, du gris. Maintenant, vraiment, tout se mélange. Comme vous avez pu voir aussi dans ma dernière vidéo, art de la table, décoration, vaisselle, vraiment tout se mélange, le doré se mélange avec l'argenté, avec le bronze, avec le rose gold aussi. Voilà, on n'est pas obligé de partir juste sur une couleur. Regardez par exemple celui-ci aussi, bien doré, et il y a du noir, il y a aussi un petit peu d'argenté. En fait, c'est un miroir dans l'accoudoir. Il existe deux modèles d'accoudoir. Pour ce modèle de Sidéré, de salon oriental, salon marocain, vous avez comme le premier qui fait un rappel de la table. Regardez les pieds, franchement c'est magnifique. Dites-moi ce que vous pensez de celui-ci, il est vraiment très très beau. Avec une petite bande sur la façade. Et vous avez cet accoudoir aussi qui est différent du premier, plus simple. Beaucoup plus simple, voilà. Et vous avez aussi niveau housse, vous n'êtes pas obligé de prendre le même modèle qu'ils ont fait. Vous pouvez changer, vous avez plusieurs couleurs aussi. Ils ont le choix niveau tissu, vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Ils ont de la qualité, ils ont vraiment beaucoup de choses. Regardez, par exemple, comme cela. Il y a celui-ci. Et il y en a un autre, un petit peu là-bas. Je vais vous montrer ça. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Voilà. Et niveau coussin, ah, il est beau aussi. Il est magnifique. Il faut voir tout habillé, tout, avec tout l'ensemble. Hein, c'est autre chose. Franchement, ça donne un autre rendu. Regardez ceux-là. Ceux-là, ils sont beaux aussi, ils sont beaux. Regardez, ils sont magnifiques ceux-là. Franchement, ils sont super beaux. Colorés, là, comme ça, en doré. Plus clair, et là, c'est plus... Ah non, c'est juste avec la lumière. Mais il me semble qu'il y a en taupe. Après, vous pouvez changer, hein. Du vert. Khdar Malaki. Andkoum Zarak, le bleu. Lui aussi est beau, ça change. Voilà. Alors ici un autre modèle plus simple, mais toujours à peu près dans le même style. Vous voyez, ah, il y a les tables, des guéridons. Ah, c'est beau ça aussi. Ouais, c'est super beau. En blanc avec le coin. Alors c'est où vous faites le coin, ou ici. Moi, je partais sur celui-ci au début. Vous me direz lequel vous trouvez plus joli. Moi, je partais sur celui-ci, mais il est un petit peu plus brut. Voilà. Après, j'ai dit, bon, ouais, ça fait longtemps que j'attends. Mieux partir sur quelque chose, voilà. Mais celui-là aussi, il est beau. Il est magnifique. Franchement, il est super beau.
Et là, c'est ça la formaggia. Formaggia, c'est ça. Voilà, ça vous donne en fait une assise de plus. Il y a celle-ci dont vous avez un meuble pour le dossier. Voilà. Ouais, c'est écrit fromage en plus, coffre. Voilà. Ça, c'est bien parce que ça fait coffre. Et sinon, vous avez le fromage standard. Il faut que je vous montre comment c'est. C'est un petit peu plus large, un petit peu plus grand, mais il n'y a pas de meuble derrière. C'est beau ça, hein. Franchement, c'est magnifique. Je crois que je vais partir sur ça. Je sais pas. Et celui-ci, même le vert là-bas, il est magnifique avec le blanc. Franchement, ça rend super bien. Je voulais prendre du blanc, mais après, j'ai pas pris parce que, par rapport aux enfants. Voilà, c'est pour ça. Il y a des celles-là aussi. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est trop, trop belle celle-là. Franchement, elle est très très belle. Regardez l'accoudoir. C'est classe, hein. Franchement, ça habille le salon. C'est franchement magnifique. Regardez-moi celui-ci aussi. Ouais, tout est beau. Là, vous voyez la formaggia. On l'appelle fromage parce que Zama, il a la forme d'un triangle comme un fromage bien connu. Hachkiri. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le coin qui est là, le coin. Au lieu de mettre un coffre, eh ben, on met ça. Qui s'appelle Formaggia, le fromage, ça nous donne une assise en plus. C'est plus joli, je trouve. Je trouve que c'est mieux. Ouais. Et avec le meuble aussi, c'est beau, mais c'est moins large. Ça nous donne un petit peu moins d'assise. Il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Voilà, il y a une table aussi, celle-ci. Elle est belle. Bah, vous pouvez après, voilà, faire une salle à manger. Il y en a qui mettent pas que table ronde ou carrée comme ça. Hein. Ils mettent aussi une table rectangulaire comme celle-ci. Vous trouverez des tapis, vous trouverez les housses, vous trouvez de tout, franchement de tout. Concernant les housses, vous avez des tissus, des rouleaux de tissus. Après, ils font la couture. Hein. Regardez. Voilà, il y en a qui sont déjà. Il y a encore en haut? Oh, un treillis magnifique. Arzela. Vous avez. Hein? Hadi. Elle est, ouais, haut. Là, ça c'est pour. Ça, c'est pas pour les clients, quoi. Ceux qui ont déjà fait les commandes. Celui qui veut changer de housse, il vient. Non, c'est pour vendre ça. Oui, c'est pour, mais c'est pas pour les clients qui ont acheté là Mais maintenant. c'est pour tout le monde, ça. Oui, c'est pour tout le monde. Si vous voulez changer juste de housse, ben voilà, vous avez des paquets. Des paquets. Allez, comme ça. Je crois que je vais partir sur. Je sais pas, je vais voir. Je crois que je vais partir sur. Lui, il est trop foncé. Je crois que je vais partir sur un comme ça. C'est plus joli. Il y a des rideaux à l'ancienne, d'un nouveau, comme vous voulez. Celui-là aussi, il est beau. Regardez celui-ci en gris. En gris assorti. Là, celui-là est beau. Il est magnifique. Ouais, je crois que je vais partir sur celui-là. Avec en plus clair. Voilà. Il est super beau. Là, on est au deuxième étage. On est monté. Noir, gris et doré. Avec une belle table. Là, du blanc. Il y a celui-ci aussi, il y a de l'accoudoir. À l'intérieur, c'est un miroir. Vous avez ce modèle aussi, bah, pratiquement comme celui-ci. C'est juste ça en fait qui change en gris et en noir. Avec les coins. Voilà, c'est ou les coins coffres
ou bien comme je vous ai montré, avec la formage, le meuble ou sans le meuble. Ah là, il y a deux coins différents pour celui-ci. Ou comme ceci. Voilà, avec la table. Elle est magnifique la table. Franchement, elle est super belle. Avec le coin. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Vous pouvez faire une assise en plus. Ou celui-là. Voilà. Voilà, et vous avez plein de rouleaux, plein de rouleaux pour les housses. À vous de choisir en fonction de vos goûts, tout simplement. Voilà, plein de choses. Vous avez les coussins, c'est des 90. Je ne sais pas s'ils font encore les 70. 90 cm. Voilà. De longueur. Et là, c'est les 70, les anciens. Bah, ça, c'est ancien, mais je crois que maintenant, c'est tout nouveau. Et allez, on redescend. On change d'ambiance, on change d'environnement, on change de magasin. Ici, on est chez Mobilia Design à Vaux-en-Velin. Voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente pour la déco de l'Aïd qui arrive à très grand punch. Hein, là, vous avez de tout, vraiment de tout. C'est un grand magasin, machallah. Avec de très très belles choses, des tapis, à savoir que les tapis, ils ont une réduction en ce moment, moins 30%. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et là il y a le premier tapis, je voulais vous montrer un autre tapis aussi, j'ai pris mon tapis chez eux. Hein. Voilà, j'ai pris mon tapis ici, chez Mobilia Design. Coucou Assia, si tu es là. Un gros coucou à elle, c'est dommage, je ne l'ai pas vue, mais je repartirai très prochainement, Inch'Allah. Je vous filmerai les nouveautés, il va y avoir de l'arrivage, je vous filmerai ça. Je vous mets aussi les coordonnées en barre de description avec leur compte Instagram également. Vous avez de tout, vraiment, même les poufs. Le tout premier là, vraiment magnifique et ça se voit vraiment, même j'ai touché, vraiment au toucher, est vraiment très très beau et de la bonne qualité. C'est pas comme ceux qu'on peut trouver voilà, dans un petit magasin comme Action. Il y a vraiment de tout, vous avez les nappes comme ça se fait au bled. Et vraiment, ils ont beaucoup de choix, ils ont beaucoup de choses, ils ont des rideaux aussi, voilà, de tout coloris, vraiment à fouiller, à regarder. Ils ont de la vaisselle, de la très bonne vaisselle aussi, vraiment très très jolie. Encore une fois, je vous mets les coordonnées en barre de description, si vous avez besoin de verre, de thé. Voilà, vous avez encore là quelques jours hein, avant l'Aïd, Inch'Allah, si vous avez besoin de quelque chose. Et ben c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour toutes les personnes qui habitent dans les environs. Moi, je suis dans le 38, mais je suis pas loin de Lyon, hein, je suis pas loin du 69. Voilà, avec l'autoroute, on y est en 30 minutes. Hein. Et c'est un magasin vraiment très très grand et avec beaucoup de choix, à savoir, juste à côté, ils ont un magasin aussi de vêtements. Voilà, bah comme c'était pas prévu que je... Quoi, si c'était prévu, mais j'étais pas sûre que j'allais y aller. Alors, c'était pas, voilà, en exclusivité pour filmer. C'est quand j'ai vu que vraiment qu'elle avait beaucoup de choix et qu'elle avait de la très très belle vaisselle, du beau mobilier magnifique. En plus, vous pouvez payer jusqu'en 4 fois sans frais. C'est ce qui est super bien. Regardez, il y a les verres que je cherchais depuis très longtemps, les verres à pied. J'ai pris un paquet. Ils sont vraiment magnifiques et ils sont pas très chers parce que je peux vous dire que même sur le net, sur un grand site internet, et ben je les ai trouvés beaucoup plus chers. Et là, les deux étaient, je crois, pour 3,90 et je peux vous assurer que j'avais trouvé ça dans une vingtaine d'euros, hein. Même je crois 25 €. Oui, juste deux. Vous avez des nouveaux moules aussi qui se font. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit peu aussi du petit électroménager, dont les fours. Alors franchement, moi qui ai fait l'expérience avec un four du commerce, d'une grande surface, et une très grande marque en plus hein, de four, ben, je peux vous assurer, n'achetez pas. Achetez comme ce qu'elle a, c'est de la bonne marque. C'est de la très très bonne marque. Acheter, parce que moi j'ai pas testé encore hein, celui qu'elle a, ce que Mobilia Design ont.
le Teflo, mais j'ai entendu que du bien. Que du bien, et je peux vous dire, c'est la même marque que les tagines, voilà. Je peux vous dire que c'est une très bonne qualité. Moi, j'avais pris un Thomson chez Leclerc, que j'ai là depuis un an environ, et je peux vous dire que je galère avec, vraiment. C'est pour ça que à chaque fois je vous dis, j'ai un four spécial et tout. Si vous cherchez des petits fours comme ça, et ben prenez le même modèle que Mobilia Design ont dans leur rayon. Il y a deux modèles, voilà, parce qu'il y a des litres différents, un plus petit, un petit peu plus grand. Et ben je vous le conseille à 1000%, j'ai entendu que du bien, vraiment que du bien. Bref, vous avez du mobilier, de la jolie décoration aussi. Vous avez des belles tables, des grands canapés, des plus petits. Voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois et vous pouvez faire un financement aussi. Et sans oublier, bien sûr, la décoration pour l'Aïd qui arrive à très grands pas, Inch'Allah. Voilà, vous avez des lustres, vous avez vraiment de tout, honnêtement. J'avais qu'une envie, c'était de rester encore et encore, vraiment. C'est juste mon mari qui me dépêchait, mais sinon, je serais restée encore à filmer, à regarder. Parce que honnêtement, c'est vraiment très joli. Oui, c'est vrai que sur Lyon, il y a pas mal de choses, mais là, je trouve que c'est vraiment complet et que en plus de ça, c'est vraiment de la très bonne qualité. Alors, allez voir Assia et son mari à Mobilier Design. Je vous mets les coordonnées en barre de description. Maintenant, à l'approche du Eid, bien entendu, les gâteaux, voilà, là, il y a quelques jours déjà, j'ai fait, comme d'habitude, ça, c'est un incontournable de ma table du Eid, je sais pas vous, mais moi, je suis obligée d'en faire, les gâteaux aux amandes, voilà, ce qui est super bien, c'est que c'est la même pâte et la même farce, et avec ça, on peut faire plusieurs modèles, vraiment, plus on peut s'amuser à faire tout un assortiment, vraiment, vous avez des emporte-pièces, vous allez pouvoir faire plein d'assortiments. Je vous ai déjà montré ça l'année dernière et l'année d'avant encore. Je vous mets en barre de description la vidéo de l'année dernière parce que j'ai fait exactement la même recette, exactement. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai pas mis de cannelle en poudre. J'ai pas voulu mettre de la cannelle. J'ai fait simplement, mais c'est exactement les mêmes quantités, la même recette que celle de l'année dernière. Encore une fois, je vous la mets en barre de description, que ce soit pour la farce ou pour la pâte. Et en plus, la pâte, vous pouvez la conserver quelques jours dans le frigo. Il suffit juste de la mettre dans un sac congélation ou l'enrouler dans du film alimentaire et de la conserver quelques jours au frigo. Et certains même la congèlent, hein, la pâte, voilà, si vous voulez la faire en avance ou l'utiliser après. Voilà, vous pourrez, regardez, il suffit d'avoir juste des emporte-pièces, fariner légèrement pour pas que ça s'attache. Voilà, je tapote un petit peu. Et voilà, j'avais celui qui était en plastique aussi, vous avez vu. Pareil, j'ai fariné légèrement. Je fais une petite boule de farce et je prends un petit cercle de pâte, voilà, que j'enveloppe. Et ensuite, que je viens bien souder, j'enlève de la pâte si j'en ai en trop, j'enroule bien et puis voilà, je tamponne avec mon emporte-pièce et voilà, c'est fait. Maintenant, niveau corne de gazelle, j'ai pris de la farce que j'ai formé un petit boudin, je viens envelopper de pâte que j'ai bien étalée. Voilà, il faut vraiment, moi j'étale le plus possible la pâte quand je vais faire les cornes de gazelle. J'enveloppe, vous avez vu, l'image de toute façon parle d'elle-même. J'enveloppe et je pince avec le bout des doigts, comme ici, comme sur l'image, du centre jusqu'au bord et d'en bas jusqu'en haut. S'il y a des bulles d'air, j'essaye d'enlever, voilà. Je viens bien pincer petit à petit. Je forme en fait ma demi-lune, ma corne de gazelle. Je lui donne une forme, voilà. Ensuite, je prends ma roulette et je vais venir couper, mais pas à ras. Je laisse quelques centimètres de pâte. Voilà, regardez, comme ça, ça se colle bien. Et puis, que les pâtes se collent bien entre elles. Et puis voilà, la pâte, je l'ai faite en début d'après-midi. Je l'ai mise dans un sac congélation ou dans du film alimentaire, comme vous le voulez. Moi, je préfère mettre dans un sac congélation. Au moins, c'est bien enveloppé et on est sûr.
Et je l'ai laissé sur ma table. Je l'ai pas mis au frigo. Je l'ai laissé sur ma table jusqu'au soir. Voilà. Après le ftor, après la prière, après tout ce que je dois faire, j'ai fait ça tranquillement dans la soirée, devant la télé. Voilà. Et je l'ai pas mise au frigo, hein, encore une fois. Par contre, elle est bien dans un sac congélation. Il faut pas qu'elle sèche. Une fois qu'on a fait les gâteaux, à ce moment-là, par contre, là, il faut pas les recouvrir. Il faut les laisser à l'air libre et les laisser sécher toute la nuit, voire 2 à 3 heures minimum, sinon toute la nuit. Regardez, là, c'est le lendemain. Je les ai laissés sécher tranquillement. Couvert ou non couvert, comme vous voulez, mais il faut les laisser sécher. Alors, moi, je préfère non couvert. La preuve, regardez. Je les ai cuits vraiment après, tout allait bien. Et je les ai laissés sécher toute la nuit. Ensuite, avant d'enfourner mes gâteaux, je prends une aiguille que moi, je passe sur le feu. Et ensuite, je mets dans du vinaigre et je rince. Et voilà, et après, je l'utilise. Il faut faire des petits trous pour enlever les bulles d'air. Et ensuite, vous allez les faire cuire. Mais attention, à blanc, pas trop, pas trop. Il ne faut pas qu'ils soient trop dorés. Et ensuite, vous faites avec les emporte-pièces que vous avez. Regardez, ça, c'est la vidéo de l'année dernière. Je vous la mets en barre de description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Et les dernières vidéos que j'ai pu poster ces derniers temps. Je vous embrasserai fort. À très vite, Inch'Allah. Mmh.